je disais. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, version 1.1.2, Monolith Soft, des Kokoro pour eux. Évidemment, on fait une nouvelle partie. Donc, vu que j'ai fait Xenoblade Chronicles 2, je peux avoir un bonus où je commence le jeu avec 100 000 crédits, on va dire. Je pense pas en avoir besoin. Enfin, au pire, on s'en fout, quoi. Pas très important. Et je vous laisse apprécier. Je crois. Ça va arriver. Incessamment sous peu. Merci Ben. Haruka mukashi. Kono sekai ga mada doko made ittemo hatenai umi to doko made ittemo tsukinai sora dake datta koro. の存亡をかけて戦い、そして、ムクロとなった。 それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は 騎士兵によって蹂躙されていた。引け！引け！ 右翼の乱れに乗じてシングルター、機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、 戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで交代。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの領域だからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、うん、引かなきゃ死ぬが、引けば未来は掴めない。なら掴もうぜ未来。何、 俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼化ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。<笑>イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の趣味が拝んでやろう。 あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が侵攻開始しました。
さてダンバよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバの野郎を取りにして適当に隙を見て。Let's go! Et que j'entends t'attaquer. Je pense à Eren Yeager. C'est dans l'attaque des titans, ça va. Et soudain surgit face au vent. Il y a Dunban. Alors attendez, j'ai une idée ce qu'on va faire. Parce que ça va me faire chier de changer à chaque fois le son. Donc je vais mettre un filtre audio. Ça s'appelle un limiteur et je vais le mettre à... Alors là vous allez me dire, est-ce que vous entendez bien le jeu par rapport à ma voix? J'entends, ah, outé, c'est bien ça. Je pense que je pourrais peut-être l'augmenter un poil. Je pense que jusque là ça va être bon. J'espère que ça compresse pas trop le son juste. On entend, ça pourrait être même un poil plus fort. Ouais voilà, bien. Ok, parfait. Donc du coup là j'ai mis le limiteur. Comme ça en fait ça reste à moins 30 décibels et ça peut pas aller au-delà en fait. C'est plutôt cool. Enfin, c'est moins 30 le maximum que ça peut aller. Ok. Donc Elware pour cibler un ennemi. On y va. Donc cibler un ennemi pour faire apparaître la palette de combat. Donc c'est ce qu'il va y avoir en bas. Et on a l'icône de combat. Donc là, hop, j'active Zavardi. Et on lui casse. Approcher ennemi, cibler pour attaquer automatiquement. Donc les coups normaux en fait, c'est automatique. C'est un peu comme FF12 si on veut. Là c'est juste du placement en fait. Et on voit sur les côtés, voilà, on peut choisir un arts, donc à gauche ou à droite. D'ailleurs par la suite on pourra les changer de place. Alors, il me semble que je faisais d'un côté les arcs offensifs, de l'autre le soin puis défensif. Enfin, et il y en a qui sont barrés, c'est qu'ils sont pas prêts, et les autres s'ils sont grisés c'est qu'on est trop loin pour l'utiliser. Ah, donc là on a l'enchantement Monado à gauche qui rend les compagnons plus forts, ou Ravage Monado à droite qui inflige d'importants dégâts à tous les ennemis. Donc ce qui est intéressant de faire, et donc tout le monde, parce qu'en fait là on voit que ça fait des 1, et ça c'est mes potes qui font 1, parce qu'en fait ils n'ont pas l'arme requise. Donc là hop, je leur donne en gros un enchantement qui font comme s'ils avaient mon épée quoi, et d'un coup ils font plus de dégâts. Et là je peux faire un coup de Monado. Terminé, ça dégage. Là, on a d'autres ennemis qui passent. Évidemment, là, c'est le tuto. Donc, là. Alors, je peux aller en bas, je peux choisir la fuite, évidemment. C'est pas le but du tuto. Et le placement a complètement son importance. Là, vous verrez, au fur et à mesure du jeu, la palette va évidemment grandir. Donc là, je peux mettre tout de suite mon arc Monado à droite, là. Hop, et let's go! Zbim! Et on vient grand. Alors, je crois qu'on peut... Enfin, je peux zoomer ou dézoomer au niveau des combats. C'est plutôt pratique. Vous avez plus l'enchantement. Donc j'ai bien fait. Iki mon frère! Boum! Voilà. Oui!
なら勝機はあるさ。だな。ディクション、ムーカ、行くぞ。指し者の英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎兵どもの狙いはてめえのそれ脳などだ。せいぜい気張って奴らを引きつけてくれよ。この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクション、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見やがらって、モナドを拾いに行けば。いっちニャー。鬼神兵どもの、ホムスの巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。はje crois pas que cette séquence était sur le jeu de base. Putain, c'est beau. En plus, avec ce X rouge qui faisait référence évidemment au premier Xenoblade, qui n'était pas Xenoblade, qui était Xenogears, Xenosaga, tout ça. C'est beau. こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シェイク、ライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライブだ。新兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙に圧を打ち込んでくれ。レッツゴー。 Donc voilà. Donc on a eu toute la bataille d'il y a un an avec Dunban, avec Moonka, etc. Et on se retrouve un an après avec ces deux personnages.
Et c'est là que ça va être intéressant au niveau des combats, puisque vous avez vu, le personnage a dit qu'il allait le faire chuter après qu'on l'a attaqué. Puisqu'il y a tous ces éléments-là, à prendre en compte, où on peut faire une série de... comment dire, de... darts, on va dire, qui permettent de se mettre en meilleure position, en fait. Donc là, on voit que je peux faire des dégâts avec lacération dorsale, donc ça, c'est l'art de Shulk. J'en ai un autre, lueur de soin, qui permet de soigner, évidemment. Je peux choisir qui soigner. Voilà. Et en fait, on voit qu'ici, a asséné par derrière pour plus de dégâts. Donc en fait... hop, là on voit, par exemple, que l'ennemi, en fait, il est en visu avec notre pote. Parce qu'il y a le trait jaune qui est devant lui, là. Donc c'est-à-dire qu'il le fixe, en fait. Donc moi, il s'occupe pas de moi. Moi, je peux aller derrière et tout. Et je peux l'attaquer, il n'y a pas de problème. Donc ça, on l'a vu. Hop. Et on a des coffres à ramasser. Là, je peux pas m'échapper parce qu'il y a une limite. Parce qu'il doit y avoir un ennemi. Pas de bêtises. Voilà, il y a la chenille là. Donc hop, on la cible, on l'attaque. Let's go. Donc voilà, c'est l'hostilité, le trait orange qu'il y a devant nos potes. Donc évidemment, si je suis, si c'est moi l'hostilité la plus grande de l'ennemi, je peux pas me placer en fait. Donc c'est ce qui explique, faut tirer parti des opportunités de tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui va un peu faire le tank. Donc toi, en tant qu'attaquant, tu fais le tour et tu essayes de maximiser les dégâts en te mettant de côté ou de dos. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, par exemple, j'ai l'hostilité. J'ai le petit trait jaune sur moi. Là, c'est mon pote. Je me mets là. Et on voit qu'il y a le petit symbole. On voit plus maintenant. Il y avait un petit point d'exclamation. Voilà. Sur ma compétence. C'est-à-dire, c'est le moment. Bim. Et quand c'est le moment, quand il y a les dégâts, ça fait une espèce de flash autour. Qu'est-ce que c'est, parti vadrouiller, je sais où. Reste donc là où je peux garder un œil sur toi. Donc, voici Rain. Et donc, voici Shulk. Les deux personnages. Une belle carapace. Donc eux, en fait, ils sont là pour récupérer de la ferraille qui traîne, des mécones, etc. Donc on va retrouver Dixon. Monado. J'espère que je pourrai un jour percer le secret de sa puissance. Pierre-Eva, je te fais confiance, ça y est. Premier de rentrer à la colonie. Si je suis en retard pour les exercices, moustache pointue va me tuer. Moustache pointue? Ah, le colonel des forces de défense, il fait un peu peur. Ça ne fait pas dire. C'est à cause de moi, il a fallu que tu viennes jusqu'ici pendant ta pause. C'est rien. Allez, let's go. Let's go! Et coucou, Ellie Smith. Comment il va? Donc maintenant, on a un chemin à suivre pour l'histoire. Je peux visiblement changer les modes de cas. J'ai le fil rouge, ça c'est quelque chose que j'adore. Ça c'est pour la caméra, pour le sauvegarde, etc. Et sauvegarde automatique. Je peux consulter les tutos à tout moment. Il y a de nouveaux tutos qui arrivent petit à petit. Les cinématiques, on peut les revoir. Voilà. Donc, les socio points. On verra ça plus tard. Donc on a un mode expert, gain d'XP limité. J'ai pas tout compris à quoi ça servait, mais pourquoi pas. Là, donc j'ai la map. Voilà, si je veux la map en grand. Il y a évidemment un cycle jour-nuit qui est important, parce qu'on n'a pas les mêmes monstres le jour, la nuit, et il n'y a pas les mêmes objets qui traînent le jour et la nuit non plus. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. On a le fil rouge, comme ça on peut jamais être perdu. En gros, même si tu n'y as pas joué depuis X semaines, tu dis ah bah qu'est-ce que je devais faire? Bah au moins tu sais. Et t'as un suivi de quête, alors pour l'instant il n'est pas disponible, ça sera un peu plus tard. Là, c'est pour fixer les ennemis. Hop. Et évidemment, il faut profiter de cette musique qui est incroyable. Et bah moi ça va très bien, Alice. Ça va super.
Xavier, ça me donne envie de me replonger dedans, mais j'ai déjà trop de jeux à faire. Mais je suis... De toute façon, on est tous pareils, Ellis. Voilà, j'étais dans Skyrim, puis j'ai plongé là dans Breath of the Wild, que je connaissais pas. Enfin, de nom, oui, mais j'y avais jamais joué. Qui est très très bien. Et puis, j'ai envie de jouer à Xenoblade, donc voilà. Xeno, puisque maintenant j'ai tous les Xeno que je peux faire en stream, et ben, je vais peut-être tous les faire. Donc voilà. Mais Xeno, c'est probablement la série qui m'a réconcilié avec le JRPG. Au-delà de FF, parce que FF, voilà. FF, les derniers, caca. Ça fait longtemps que c'est caca. Au moins. Donc, let's go. Puis, on a de super musique, on a de très beaux environnements. Et vous n'allez pas me dire que ça, c'était pas possible pour Pokémon Violet ? Genre faire ça ? C'est pas possible. Apparemment, non. C'est trop compliqué à faire. Allez, on va attaquer. Donc là, j'ai l'hostilité. Là, je l'ai plus. Et hop, je fais l'art. Et hop. Et c'est bon. Ouais. Et par exemple, ce coup au milieu, c'est un coup déséquilibrant. On voit qu'il y a un petit icône violet, enfin rose, avec des espèces de S qui permettent de déséquilibrer. Et quand un ennemi est déséquilibré, Rain a un coup où il peut le faire chuter. Mais du coup, il peut pas le faire chuter s'il n'est pas déséquilibré. Donc en fait, ça on va dire qu'un... un état de l'ennemi peut en entraîner un autre, etc. Et on peut faire des trucs ultra vénères comme ça. Bon, les ennemis, je vais pas trop les affronter. Voilà. Ça, je le ferai de moi-même pour faire un peu d'XP. Ça, un truc que j'adore. L'encyclopédie. En gros, dans une zone, on va avoir plein de petits trucs bleus, comme ça, des petites boules bleues. Non, c'est pas là-dedans. Merde, je sais plus où c'est. Si. C'est là, c'est dans le menu. Dans les objets de collection, donc ouais, dans l'encyclopédie. Donc par zone, en fait, on va débloquer des objets. Donc là, par exemple, pour la ligne légumes, j'ai 4 objets à trouver. Fruits, il y en a 2. Fleurs, il y en a 3. Insectes, 4, etc. Et en fait, à chaque fois que je remplis une ligne, je vais débloquer un item bonus pour moi. En général, c'est des items à rajouter, enfin, ou des armes, des armures, enfin, voilà. Et quand on a tout, je sais plus ce qu'on a, peu importe, c'est pas grave, on verra ça quand on y sera. Et voilà, c'est des trucs tout cons, mais ça te permet aussi d'explorer, de prendre un peu de temps pour explorer le jeu, tout simplement. Il y a des trophées également, alors j'en ai déjà quelques-uns, je l'ai joué un peu hier. On peut changer l'heure dans le jeu. Ouais, si j'ai envie qu'il soit 13h, midi, que ce soit le soir, que la nuit, je peux totalement le changer. Ça change rien. Par contre, évidemment, vu qu'il y a un cycle jour-nuit, même les personnages qui sont, par exemple, là, on va arriver dans la colonie, y en a qui vont dormir, donc ils seront pas là. Ils seront pas disponibles. Il y en a qui sont là que le matin. Oui, non, il y a que matin et soir, je sais plus. Il y en a peut-être, c'est que à l'aube, des trucs comme ça. Et puis, enfin bref, il y en a qui sont que entre telle heure et telle heure, etc. Mais c'est vraiment un jeu ouf, quoi. Évidemment, il y a de l'équipement à mettre. Voilà, il y a même l'équipement d'apparence, si on veut. Donc il y a plein de choses à faire. Ce que j'adore, c'est que la Wii a eu de très bons RPG qui sont totalement passés dans les différences. Le Plutonax Xenoblade est le seul qui est sorti avec de la visibilité. Ouais, et il y a encore. Encore. Parce qu'il y a eu la story, il y a eu... Merde, il y en a un autre. J'ai plus le nom. Après, le problème, c'est que ils ont été très peu édités aussi, ces jeux-là. Et du coup, ça a été un peu la merde pour les avoir. Sympa comme manière de faire découvrir un peu plus une zone. Ah ouais, puis la zone, elle est pas petite. Hein. Là, c'est qu'une partie de la zone. Je sais pas si on peut... Alors, en haut, là, le ciel, c'est pas un bug. Vous comprendrez plus tard pourquoi. J'ai cru que c'était un bug, mais non, c'est moi qui... Voilà. Il faut voir que ça tournait sur Wii. Alors évidemment, peut-être pas aussi beau, hein, forcément. Et voilà. Alors quand on me dit, ouais, Pokémon machin, c'est beau, non, c'est bon. Arrêtez. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non. Arrêtez.
Donc là, évidemment, je récupère des items. Que je vais pouvoir aussi revendre, hein, puis pour certains, quand j'ai l'impression. Donc là, on voit la ville, donc la colonie. Colonie 9. Je crois. Ou 6, je sais plus. Donc ça, c'est la ville. Hein. Colonie 9. Non, il n'y a pas des, milliers d'objets à collecter. Non. Heureusement. Mais qui ose dire que Pokémon, c'est beau. J'en ai vu, j'en ai lu, j'en ai entendu. Désolé, faut que je file au QG maintenant. Tu vas au labo militaire, toi? Oui, dès que j'aurai vendu ce dont je me servais pas. Ça marche, à plus tard. C'est presque un MMO offline, en fait, Xenoblade. Voilà, donc là, maintenant, je suis tout seul. Je peux commercer avec les marchands. Je peux revendre évidemment le butin que je gagne au fur et à mesure. Donc on voit que quand c'est un petit sachet, bah, c'est peu de valeur. Gros sachet, grosse valeur. Je peux accepter des quêtes, bien sûr. Je peux faire du troc. Alors ça, je sais plus s'il y avait ça sur sur l'original, enfin le jeu de base, quoi. Je m'en souviens plus. Et en gros, tout ça, bah, on voit que l'histoire progressera même si vous faites aucun échange ou qu'il n'y a aucune quête secondaire. Si tu veux suivre toute la trame principale, eh ben, tu peux. Voilà. Mais ils disent néanmoins, ça peut te donner des avantages qui permettront de progresser plus facilement. Ce qui est vrai, tu auras peut-être un peu plus d'XP, tu auras du meilleur stuff. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est du gagnant-gagnant, on va dire. Alors, les sociopoints. Est-ce qu'on l'a, là, le truc? J'appelais le sociopathe. Donc là, on a Dorothy, on lui parle. En général, c'est du blabla. Hein. Voilà. Donc là, on a le sociogramme. Donc pareil, il y a un habitant nommé à une zone donnée. Il intègre le sociogramme qui représente le lien entre membres du groupe et les habitants. Mon premier ami, voilà. C'est mon pote. Je l'ai jamais touché dans Xenoblade Wii. Jamais. Et on voit que là, à la colonie 9. Donc, on imagine hein, le bordel. Hein. Voilà. Dans la colonie 9, il y a Dorothy qui est là. Voilà. Et ben, en fait, je peux savoir à quelle heure elle est présente. Voilà, il y a des trucs, on ne sait pas pourquoi c'est là. Pourquoi on lui dit qu'elle a 19 ans, on s'en fout, en vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est le lieu où elle est. Parce que peut-être que des fois, tu auras des objets à rapporter à certaines personnes. Mais pour savoir où ils sont, bah, tu devras forcément leur avoir parlé, quoi. Sinon, compliqué. Et on peut échanger également, voilà. Donc on voit qu'on peut troquer un casque Regnas et une petite carapace, donc si t'as ça, bah c'est cool. La grande question, est-ce qu'il y a un mini-jeu de pêche? Je crois que oui. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Donc il n'y a pas eu d'amélioration monstrueuse depuis la 3DS, sauf contre une Switch, une 3DS, c'est pas même puissant. Ouais, en fait, je pense que c'était un jeu qui était beaucoup trop conséquent pour la 3DS. Après, je vais pas vous le cacher, hein, sur Wii, c'était pas aussi propre. Voilà. Après, j'ai pas fait la version 3DS. Je crois que Modus y avait un peu touché, mais elle l'a revendu, je crois. Mais c'était beaucoup trop puissant. Enfin, ça demandait beaucoup plus que la puissance d'une 3DS. Mais en vrai, on voit ça. Franchement, j'ai presque envie de remettre Pokémon Violet et que je vous montre les bâtiments, quoi. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Mais en fait, peut-être que Pokémon Violet est juste dégueulasse. Bref. Du sociopathe ou du sociopoint, ça me rassure de voir que je suis pas le seul à l'avoir lu ce truc. Ah non, mais moi, pour moi, c'était le sociopathe, hein. C'est... y a pas de problème. Ah, de Pokémon avec cette comparaison 3DS Switch, pardon. Ouais. Ah, moi, ça me fait mal au cœur de voir un jeu comme ça. Enfin, je veux dire, juste pour les... Parce que moi, ce qui m'a perturbé, c'était les brins d'herbe dans Pokémon, je veux dire... Faire des trucs comme ça, est-ce que c'était pas possible pour un jeu Pokémon? Putain, ils ont quand même un budget qui doit être 8 fois, au moins 8 fois supérieur à ce qu'un monolithe. Bref. Donc moi je vais pas aller tout de suite dans la ville, et je vais vous montrer en fait toute l'exploration. En fait, c'est un jeu où j'arrive à avoir le vertige. C'est con, hein, mais j'arrive à avoir le vertige. C'est tellement grand. Vous voyez là, tout là-bas, là, où il y a l'arbre au fond, ben, on peut y aller.
Là-bas, je peux y aller aussi. Enfin, genre, là, sauter. Hop. C'est long. C'est très long. Voilà. Et moi, je trouve ça... C'est si grand. En fait, les monstres, t'es pas obligé de les battre. D'ailleurs, là, ils t'attaquent pas. Il y en a qui t'attaquent, par contre. Mais là, ils te tapent pas parce qu'ils s'en foutent, en fait. Ils font leur vie. Mais c'est génial, quoi. Bah, je veux dire, c'est un open world de 2010. Je veux dire, les derniers Pokéfions, même en termes de... Là, le jeu, je pense qu'il a 60 FPS constant. C'est pas genre, je m'éloigne du... Faut voir, faudrait que je fasse le test, mais je crois pas qu'il y ait des trucs qui tournent au loin. Forcément, il y a du popping, hein, mais on est pas con. Mais c'est pas Pokéfion où plus je m'éloigne et plus le truc il fiche, quoi. Voilà, on n'en est pas là. Si c'est pour faire ça, autant pas. Voilà. Ça ne sert à rien. Budget, puissance de la machine de base. Et non, on fait pire. Non, mais c'est ça qui m'énerve. C'est fou. Et que les gens soient quand même à dire non, mais Pokémon, c'est pas que ça. Bah, bien sûr que c'est pas que ça. Mais même le pas que ça, ça va pas. Donc. C'est. Enfin, là, faut pas oublier le gameplay, mais faut pas oublier également à l'endroit quand tu veux faire un open world, faut que tu mettes les moyens d'en faire un bout. Si c'est pour que le truc il traîne à 10 FPS, ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui réagissent au son également, si je dis pas de conneries. Donc ouais, depuis tout à l'heure, vous voyez, je ramasse les... Moi, j'aime bien ramasser les petits machins. Il faut que j'arrête d'appuyer là. Si je vais dans mes objets de collection, dans mon encyclo, ben on voit que, en fait, tout ce que j'ai ramassé, de toute manière, ça... Vous voyez, ça flash, en fait. Donc hop, j'ai juste appuyé, paf. Ça s'est mis. Ça s'est mis. Mais... Alors, il y a des objets, certains, qui sont plus rares que d'autres, hein, évidemment. Hop, et là j'ai fait ma ligne, catégorie remplie, je chope un truc anti-poison. Hop, il est de plaine, scarabée perle, diode lapin, un truc mystère. Et surtout, pas oublier de revenir en arrière, parce que c'est possible que on ait des choses ici à mettre. Alors, on aura peut-être rien à mettre, hein, je sais plus, mais comme j'ai vu ça tout à l'heure, je fais ah. Donc j'y pense. Pas que ça, mais le ça est honteux. Alors bon, oui, bah ouais. Moi, ça me... C'est plus que ça me désole qu'autre chose, en fait. Je dis, il y a tellement des jeux qui méritent beaucoup plus d'attention que cette merde de Pokémon violet, écarlate, ou même... On parle moins de Pokémon épée bouclier, mais franchement, c'était d'un niveau assez... assez faiblard, quand même. Hein. Tu peux pas sortir des jeux à 45-50 balles et être aussi faible. Alors là, vous voyez, on le voit le popping. Je veux dire, ça se met rapidement les plantes, même les herbes et tout. Voilà, mais est-ce que c'est gênant? Non, on s'en fout, parce que c'est relativement joli. L'AD est relativement joli. Après, évidemment, si je m'approche à fond d'ici, et encore, je suis même sûr que là, la plate texture. On a là, c'est quand même plus joli que sur Pokémon Violet. Mais bon. Dis putain. Ils peuvent faire bien mieux et ils en ont rien à branler. La ligne de Guillemette est vraiment cool. Elle est très cool. Et en plus, elle change. Alors, c'est peut-être aussi dans Pokémon. Là où j'ai pas prêté l'oreille assez longtemps pour ça. Mais elle change. Le thème est différent en fonction que ça soit le matin. Enfin, la journée ou le soir. Donc t'as un truc encore plus doux, encore plus calme la nuit. Ah, le thème va changer. Je joue pas à Pokémon pour le gameplay non plus. Parce qu'en termes de RPG tour par tour, je préfère jouer à Persona ou Dragon. Oui, après il y a le côté collectionniste qui est toujours cool dans Pokémon. Mais au bout d'un moment, il faut plus que ça, quoi. Je veux dire, maintenant que j'ai joué à Temtem et que je l'ai fait...
je peux pas rejouer à Pokémon. J'ai l'impression d'être... Quand je joue à Pokémon, j'ai l'impression de jouer à un jeu de teuteux, quoi. C'est... Bon, après, évidemment, il y a des mécaniques, voilà. Outre. Et... Je peux pas rejouer à Pokémon, en fait. C'est pas juste spam Fuelian jusqu'à ce que tu gagnes, quoi. Comme dans Animal Crossing, ouais. Animal Crossing, je crois, c'est même encore plus découpé, je pense. Là, c'est vraiment juste le thème jour, le thème nuit, en fait. J'espère que vous entendez toujours bien la musique. Du coup, peut-être que pour les jeux Switch, je mettrai un limiteur audio. Au niveau du son, comme ça, peu importe si le son est à fond, il ne pourra pas dépasser. Ouais, mais vous imaginez le temps que je perds, simplement à explorer, juste explorer. Le son est good, t'inquiète, ok. Merci, Arthur. Et c'est un délire. Après, voilà, Pokémon, ça... Encore un cas très particulier de boîte, etc. Mais... Je trouve ça dommage pour une boîte justement qui était très en avance sur son temps pour les premiers jeux, qui était au contraire une espèce de folie technologique sur Game Boy, même jusqu'à la GBA. Pour au final devenir ça, c'est... Là, je kifferais, moi. Un Pokémon fait par Monolith. Je vais péter. Oh, monsieur, vous me décevez. Je voulais voir du massacre de monstres à l'appel. Ben, je sais, mais j'aime bien récupérer. En plus, j'ai dit ça, je le ferai hors stream, putain. Ça y est, je me perds. Faut que j'avance dans l'histoire. Allez, on va avancer dans l'histoire. Ça, je ferai sortir. Mais regardez, même là, il y a un reflet de la ville et tout. Enfin, voilà. C'est pas du RTX, hein, évidemment. Enfin, pas se le cacher. Mais il a le mérite d'être là, quoi. Pour de la Switch. Enfin, après, c'est peut-être pas à 60 FPS. Ça va être entre 30 et... Entre 30 et 45, peut-être. Encore que. Je suis même pas sûr. Le TDA qui frappe. Non, mais moi j'ai un problème avec ça. Mais après, c'est Xenoblade, c'est un jeu du cœur, donc j'ai envie de vous montrer plein de trucs. C'est terrible. Juste avant. Je crois que j'avais eu un truc. Voilà, donc là, on peut mettre insérer des gemmes. Et j'ai eu un truc tout à l'heure. Ah, non, c'est pas pour ça. Ah non, c'était peut-être une gemme défensive. Juste regarder. Alors, je sais plus où on a les items comme ça, justement. C'est juste objet, tout simplement. Oui, voilà. Oui, il y a plein de catégories d'objets. On peut même les bloquer pour pas les vendre. Enfin, bref. Voilà, là, les gemmes. Donc, anti-poison réduit les dégâts de poison subis de 10%. Donc, une gemme défensive. Gemme d'équipement, donc voilà, de rang 3. Il y a plein de trucs. Hein. Donc là, on voit les objets de collection, donc pour l'encyclopédie. Et on voit les trucs que j'ai récupérés via les ennemis que je peux vendre, tout simplement. Ça, c'est que des trucs à vendre. Donc. Non, je veux pas jeter. Non. Ah oui, d'accord. Putain, je me plante de boutons. Donc on doit aller voir c'est Dunban. Alors juste avant, faut que je passe là. Non, c'est pas Dunban, c'est l'autre. On a un objet. Ça, c'est un objet clé. Hein. Quand ils sont rouges, c'est des objets clés. On en aura besoin un peu plus tard. Yo yo. Yo yo. Bonsoir Sulk. Non, lui, je peux que lui parler. Hop. Donc on a un marchand ici. Donc ça, c'est l'endroit de la lampe à éther, ici. Non, je m'en lasse pas des musiques. C'est...
J'aurais qu'une armure pour mon fils. Vas-y. Une petite écaille sur les Salmos. Ok. Il y a une autre quête. Ah oui, elle est en haut. On va aller la chercher. Je crois que en fait, tous ces trucs-là, je crois que c'était des TP, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas des TP, c'est pour fabriquer des gemmes. Pardon. Quand les créatures meurent, lâche des cristaux d'éther. Cristaux d'éther. Tu vires les impuretés, comme ça, tu peux créer des gemmes d'éther. Les gemmes, c'est ce qu'on peut ajouter dans le... dans nos... dans nos armes et armes. Et bah du coup, il me file force et PV. Voilà, donc on a les emplacements. Je vous ai expliqué il y a environ 10 secondes. Donc on va pouvoir hop, mettre ça. Donc par exemple PV, hop, et force. Et évidemment, avec ça, on peut créer des builds. Alors après, il y a forcément des gens de notre équipe qui sont plus ou moins orientés vers certains archétypes, on va dire. Comme là, évidemment, lui, c'est plus un attaquant. Le gars qu'on avait tout à l'heure, c'était plus un tank. Et du coup, faut jouer avec ça aussi. Ah merde, j'avais la quête. Donc, passer par l'escalier qui est là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime parce que t'as une exploration quand même un peu dans la ville, sans qu'elle soit très grande. Il y a vraiment... oui, c'est pas vrai. Il y a vraiment de tout, quoi. Des matériaux, c'est un peu ça. Alors, à l'inverse des matériaux, ça te donne pas, si tu veux, un pouvoir. Ça te permet de renforcer ton personnage. Mais dans l'idée, oui, c'est un peu ça. Par contre, je crois pas qu'il y ait de lien entre les différentes gemmes. Je crois pas. Ah, la fameuse montre, oui. Donc c'est juste des quêtes, voilà. Donc faut réparer la montre au laboratoire. Hop, je prends et elle me filera des trucs. Et je peux échanger d'ailleurs avec elle des objets. Alors j'ai peut-être un objet à échanger. Qu'un seul objet à la fois, c'est un objet parmi ceux proposés par votre interlocuteur. Vous ne pouvez échanger qu'un objet dont la valeur est supérieure ou égale à l'objet désiré, etc. Choisissez un objet que vous ne souhaitez pas conserver, procédez à l'échange. Vous échangez un objet de grande valeur, vous obtiendrez éventuellement un objet supplémentaire. Donc là, je voudrais voir le short colonial. D'accord. Et je peux échanger. Donc le short, il vaut 640. Ah, du coup, je peux échanger mes petits trucs comme ça. Ah, d'accord. Alors peut-être qu'avant, je vais regarder si. J'ai tout mis dans mon encyclopédie. Non. Et voilà. Hop, le zircon. Un truc de force, donc maintenant je peux tout échanger avec elle. Il n'y a pas de problème. Mais zut. Par contre. Voilà. Donc le short colonial, je peux échanger, c'est 640. Un truc que j'ai en nombre. Ça. Hop. Alors ça, je sais plus si ça existait sur la version de base. Troc équitable. Donc j'ai eu le short. Donc là je pourrais m'en équiper. Non, c'est pas des matériaux, sinon tu aurais une gamine ninja qui viendrait pour voler ton stock. C'est pas fou. Mais là il y est pas. On a de la chance. Je dois exister sur la version de base. Je t'avoue que j'ai pas de souvenir vu que je m'en suis très très peu occupé de ça. Ça on s'en fiche pour le moment. Le but c'est d'aller là-bas. Donc on voit, on a le... Alors par contre, je sais pas si on peut virer par exemple le trait jaune sur le... enfin les pointillés jaunes là-dessus. C'est pas toi. C'est toi. Ça fait très MMO du coup. Ah, son alliance. Bah lui, il avait perdu la bague. Ça tombe bien, je l'ai. Yep, voilà. Hey.
J'ai du bon moment que j'ai passé dessus. Ah non. En fait, moi, j'ai passé un excellent moment, sauf à y jouer. Parce que j'y jouais avec une manette. En fait, je cherchais une manette Wii. Et j'en trouvais pas. Donc, j'ai pris un truc de merde dans un cash shop machin. J'ai fait une manette avec le stick. Je faisais ça avec le stick. Hein. Il fonctionnait à peine. Et comme je pouvais pas jouer avec le Nunchuk, Nunchuk et la Wiimote, c'était juste l'enfer. J'ai énormément galéré sur un boss parce que j'arrivais pas à faire ce que je devais faire. Donc c'était la grosse merde. Et je l'ai quand même fait. Hein. Mais je me suis dit, hein, un jour, s'il ressort, je le rachète, mais je le ferai bien, quoi. Cette heure est venue. Donc la colonie comporte des repères lui important les zones secrètes et des sites d'intérêt. Découvrez tous les repères et sites d'une zone pour afficher sa carte complète. Donc là encore une fois, je sais plus si on a 6 cartes des zones. Voilà, colonie 9. On voit toute la map. Alors évidemment, vous voyez que j'ai pas tout fait. Vous voyez qu'il me reste des. D'ailleurs, j'ai des quêtes à aller chercher. Là, il y en a d'autres. Et en fait, je peux me TP directement ici, à tous les petits trucs comme ça. Ben, hop, je peux me TP. Là-bas, etc. Évidemment, on peut pas tout accéder au début. Vous imaginez bien. Ce beau Shulk. Attends, je vais juste vérifier un truc, j'arrive. C'est tout bon. J'ai joué au Nunchuk vu que c'était pas ma console, il fallait que je fasse avec les manettes qui m'étaient fournies. Et franchement, j'étais étonné, c'était pas trop mal foutu pour ce genre de config. Ça répondait bien, mais en fait, j'avais mal au bras à force de les tenir, enfin, bizarrement. J'étais fatigué, genre, je jouais une heure, j'ai l'impression d'avoir soulevé des haltères tout le temps. Peut-être que je suis un faible. Ah, ces moustaches! Entre dans une maison avec une pièce d'artillerie immobile, ça fait combien de temps que vous êtes dans une force de défense? Allez quand même, essayez juste d'aller aussi vite que possible, comme vous l'aviez demandé. Et c'est impossible de regagner le quartier militaire en 40 secondes. Y a pas d'excuse qui tienne. Quand on veut, on peut. Bien, colonel. Vous êtes la honte de cette armée. Vous avez déjà oublié comment vous nous avez ridiculisés lors des manœuvres groupées avec la colonie 6? Allez, au boulot, bande de lard. Et que ça saute. Au sort. Donnez-moi cette pièce d'artillerie au quartier militaire sur le champ. Et après ça, vous me ferez 1 million de pompes chacun. Je vais faire exploser vos biceps, vous allez voir. Colonel, on peut pas la bouger. Comment ça? Vous avez intérêt à avoir une bonne raison. Colonel. Il y a des trucs très débiles. L'impact a endommagé le câble de transmission des terres. Le carburant des terres a fui et maintenant le cylindre est vide. Alors changez de cylindre, vous êtes pas fichu de faire un truc aussi simple que ça? Les cylindres auxiliaires sont épuisés. Il faudra 3 jours avant qu'on soit ravitaillé, colonel. Vous avez pourtant dit de garder un stock de carburant en réserve. Désolé, colonel. Vous êtes qu'une bande de bons rien. Boum! Patate! Sacré colonel, s'il conduit comme ça, tous ces hommes seront morts avant d'avoir mis un pied sur le champ de bataille. Je veux me faire ces moustaches. Quand tu dors, ça doit être relou, la moustache qui chatouille l'oreille. Ah, selon avec qui tu dors, oui, ça peut être problématique. Même pour toi, d'ailleurs. Hop. On va récupérer les quêtes. Donc là, il parle d'éliminer le Magdalena à Colaquatil, près du parc. Quel courage. Est-ce qu'on peut? Évidemment, il y a probablement des objets à récupérer, tout ça. Il y a les Nopons. Je crois que c'est les Nopons. Hein. Oh non. Mes filles, a l'impression que sa présence rassure Homs, comme s'il prenait un médicament. Très étrange.
Évidemment, il y a plein de trucs à aller farfouiller dans tous les coins. シルク、元気だったか?ディクソンさん。ディクソンさん。いつ頃にいないに戻られたんですか?つい、さっきな。そんなことよりシルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。活動させることはできるんだな。 とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が、奴以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか、ここに書いてある拡張機能というのはまだ推測の域を出ていないんですが、 どうもこいつはただ騎士兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりは さらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。モヤモヤするな。ダンバンさん、そんな顔するな。まだ生きてるよ。 仕入れた物を防衛。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。 シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様だからそんな辛気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸って。じゃあな。 食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。<笑>病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまた モナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより
冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとう、お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。Obligé d'utiliser Monado. Hein. ok, donc on va jouer Fiora cette fois. On a ajouté des 4 fils rouges. Je suis l'icône du fil rouge. Là, on n'a rien d'autre. Yo, Fiora! Dixon-san! Dixon-san! Ah, je reviens à Shulk qui est pas là. Ah non, j'ai envoyé prendre un peu l'air, elle doit être à l'endroit habituel, au parc de la colline. C'est ça. Merci Dixon. Dixon. Et ça, c'est un peu l'idée de l'anneau unique. Un objet surpuissant. Hey. Alors je crois que c'est, oui, ça, c'est là-haut et il faut prendre le truc. Je vais récupérer quand même les items. Important. Toujours plus. Plus d'items. Plus d'items. Ta-ba-da-ba-da. Les fruits, c'est rempli. Agilité 2. De Xavier, c'est que c'est un open world qui dit moi qui me paume toutes les 5 minutes malgré la carte. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Monado. Haruka mukashi, bokura no sumu kono kyoshinkai no kami ga furutte ita to tsutaerareru ken. Ano ken ni wa himitsu ga aru. Dakara koso, Danban san wa are hodo ni kishinhei o taoshi. Soshite あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオル、美味しいよこれ。すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。まあ毎日それなんだもんな。そうかな。いつも美味しいけど、今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん。よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら
本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え、ううん、なんでもない。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。スルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。警報、巨神の落とし物。最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから、研究棟に帰ろう。やったー ! Et les romances, c'est pas dans les 10 premières minutes d'habitude. Il est vrai. D'habitude, c'est un peu plus. Un peu plus tard. Donc, on peut communiquer avec nos membres. On peut avoir un petit cri d'entraide, pardon. Ça permet de renforcer les liens entre les personnages. Donc, quand ils sont un peu démotivés, hop là, on est là. Et on le relève. Et on a des discussions en tête à tête. Si on est avec certains personnages, eh ben on peut discuter. Et on se trouve au pas de la colline. Et je peux changer le meneur, évidemment. Hop. Hein, du coup, j'ai récupéré un nouvel art. J'ai un frelon géant. Déjà en avance sur son temps. Les frelons asiatiques. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai un truc pour... Yes. On sait les détails du tête à tête. Bah vas-y, un jour dans le parc. Let's go. Jules, tu te souviens de cette fois où, quand nous étions enfants, nous avons fait une nuit blanche? Oui, je t'avais invité. Ne t'en souviens pas, hein. Mais quand tu m'invites, toi, au juste... Ah merde, j'avais pas vu. De me disputer avec Dunban. Et ça me revient maintenant. Je me souviens bien. J'ai cliqué trop vite. Dunban m'a grondé, moi aussi. Oui, j'ai même dit que j'allais faire une fugue. Dunban était dans tous ses détails, il se faisait du souci pour toi. Je sais, je m'en vais tellement que tu n'avais pas besoin de rester avec moi toute la nuit. Bon, c'était amusant. Le genre de choses qui font des bons souvenirs. Hey, sinon, on n'aurait pas de trucs tête à tête, voyons. Je sais plus si je peux sauter d'ici, je crois que oui. Si, si. Je peux. C'est tellement long. Ah tiens, regardez, il y a... Je crois que ça, c'est un item de quête. Donc, voilà. À penser à y aller. Alors, je vais juste rechanger de personnage. Voilà, lever du jeu. Parce que moi, je veux un bonhomme. Donc, la barrière anti-aérienne, safe. Vu la chute, normalement, les deux sont morts. Il y a des chances. Mais bon, ça va. Ouf, on est dans un jeu vidéo. On est sauvé. Hop. Bon, on va pas commencer à faire ça, on a dit.
Je le ferai hors stream. Donc on avait des quêtes par contre. Alors. Quête de recherche. Non, ça c'est fait. Ça c'est celle qui ont été faites, je crois. Ouais. La montre, je peux aller la réparer. On va aller la réparer. D'ailleurs, je crois que je peux me TP direct. Oh, c'était pas la lampe à éther. Ah, la compo du Stade Malherbe. André Abdi, Thomas, Gauchou, Vandermeer, Juillet, Le Breton, Rajo, Autré, Le Bihan, Kierémé. Ok. Ce qui était à tomber. Alors, on a plusieurs quêtes. Donc, vous voyez, là, c'est le jour. On a d'autres quêtes encore qui arrivent. Wow. Quelque chose de mignon. Des diodes de lapin. Hop, je les ai déjà. Ça tombe bien. Donc, en plus, avec les items bleus, ça permet de faire les quêtes. Hop. Au moins c'est fait. Et alors on a une autre qui est derrière moi. Voilà. Michel le Béjeune est sur la plage. Ça en gros c'est des quêtes de combat. Quand il y a des noms d'ennemis, c'est que l'ennemi est bien plus balèze. Par contre, la loupe, je sais plus ce que c'est. J'ai perdu quelque chose. Ah bah la clé. Donc je pense que la clé, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est Dorothy en fait. Et Dorothy. Si je dis pas de bêtises. Donc là ça va être des quêtes de combat. Dans de Shiro. Alors une autre quête. Alors, attendez, on était où? Ça devait être là-bas. Pas de conneries. Donc, où est donc c'est là-bas. Donc ça devait être là-bas qu'il y avait la quête, l'item de quête, la clé de la dame. Je dis pas de bêtises. Et oui, c'était qu'une partie de la ville. Donc ici, il y a d'autres quêtes. Donc moi, hors stream, je vais m'amuser à faire toutes les quêtes là. Comme ça on se garde le principal ici. Il y a un autre tête à tête visiblement. Après c'est pas forcément que entre Shulk et Fiona. Voilà, là c'est avec deux personnes qu'on n'a pas encore. Donc on verra plus tard. Alors, si pas de bêtises. On le voyait de là. Donc ça doit être sur le côté. Yes. Et sauter là. Yes. Hop. Ah non, c'est une perle de verre. Putain, merde, je croyais que c'était la clé. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser ce jeu. Xenoblade. Un jeu que j'aime beaucoup également. Et je pense qu'il est trop méconnu. C'est Rogue Galaxy. Un jeu de level 5. Je pense que c'est un des derniers RPG sortis sur la... sur la PS2. Alors, un des derniers, je sais plus. Mais du moins... un excellent jeu tout de même. Vas-y, on va faire... Patriocon. Ah bah hop, et il me donne un autre truc en plus, ça c'est cool.
Rogue Galaxy qui est vraiment génial. Alors, je crois qu'il est disponible sur la PS4, enfin, PS4, PS5 dans les stores. C'était vraiment un grand jeu, Rogue Galaxy, et je pense qu'il est un peu passé. Ah bah je le laisse à faire. Bien. Ça, ça va être la clé. C'est ça. C'est la clé. Cool. Et ouais, je pense qu'il est trop méconnu. Je pense que les gens n'ont pas vu le Rogue Galaxy. Il est vraiment très bien. Les musiques sont ouf. Les personnages sont stylés. Je crois que la fin est assez difficile. Je me souviens d'avoir un peu chié. On a eu de battre un zin, ok. Mais c'est un super jeu, quoi. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de gens qui y aient joué. Alors, Level 5, on n'entend plus trop parler d'ailleurs. Mini Homes. Maître Niro Niro à Luca. Ok. Non, on va pas les mettre. Je l'ai dit. Ah merde. Rock, ouais. 720. Tiens, prends ça. Oh ma Z, ça en plus cadeau. Ah bah l'huile de batterie, tiens. C'est vrai que plus j'y joue là et plus je me dis putain ça aurait été un truc incroyable. Un Rogue Galaxy 2 ou une suite. Ah non, ça, j'ai ce qu'il faut. Alors beaucoup de items plus chers. On va aller chercher la quête là. Ah je vais me faire plaisir les quêtes. Deux Zircon arc-en-ciel. J'en ai une. Ah putain, je pourrais en récupérer une avec le mec. Eh, hey, reviens! C'était lui. Bah, je peux te filer une plaque flocon. Ok. Bah écoute, je prends. Merci bien monsieur. Le fait ils existent toujours, mais bon, ils tournent sur trois séries. Ouais, bah c'est un peu le problème qu'ils ont, c'est que. Bon, je crois que c'est fini direct. Ok. Ouais, ils doivent être sur Inazuma, non? Je dis pas de conneries. Ils doivent être sur Layton. Ou la suite de Layton. Et après je sais plus. Ah merde, allez, on va. Non, on a pas rien. Un frelon géant. Ah bah c'est dommage, je l'ai utilisé pour un truc. C'est pas grave, on fera un tour pour choper des items. Ok. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Nezuma et Layton. Ah oui, et Yo-Kai Watch, c'est vrai. Putain, j'ai totalement oublié Yo-Kai Watch. Ça marche vraiment, Yo-Kai Watch ou... J'ai l'impression qu'ils ont été totalement oubliés. Autant Inazuma, j'ai l'impression qu'il y a des séries à en chier. Layton, ça a quand même gravement ralenti. Raoul, le cri qui dessoule. Konnichiwa.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Armurine. À 4000, non, j'ai rien. J'ai rien d'aussi cher, mon gars. Désolé. Alors, mon gars. Oh. Alors, il y a beaucoup de quêtes dans les villes. Mais après, on va dire que quand on est dans le jeu, on va dire. La quête principale, il y a nettement mieux. Bien, allez. Yo yo, yo, yo. Au colonial 2. Écoute, je te file ça. Okay. Et hop, un petit supplément, des pièces brisées. Merci beaucoup. Attendez, j'arrive. Héros. Les Kaiwatch, ça fonctionne toujours, ouais. Sinon, tu aurais plus de collab avec FF14. Ah, il y a des collabs. Si, je me souviens qu'il y avait eu une collab, mais il y a plusieurs années déjà. Il y en a encore un. Heureusement. Les gars, ils sont vénères. Hein. Je sais que tu pouvais récupérer, je sais plus, une monture, je crois, Yo-Kai Watch. Il y a quoi, la montre ou je sais plus quoi. Et bon, c'est une heure de sûreté. Putain, mais t'en as combien des quêtes à me filer? Ah. Vas-y, une petite carapace. Allez, let's go. Donc là, on va pas faire la quête principale. On va juste aller... casser la figure, faire quelques combats et puis après on va s'arrêter là. Cela dit, les quêtes, il y a quand même pas mal déjà. Ça va, il y a quelques quêtes. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont numéroté, donc là par exemple je sais qu'il m'en manque une, la 2. Quête de recherche, c'est bon. Le frelon géant, tout ça. Les défis, c'est les méchants. Les méchants. L'huile de batraze. Les batrazes. La quête. Merde. Ah oui. Ah oui, c'est R, ZR. Ok. Ça, je le fais. On s'en fout. On s'en fout. On va faire. Ça, on va faire. On va faire ça aussi. Ok. Donc fil rouge, ok. Mais... on va plutôt faire tout ça. Voilà. Et là, ça affiche directement où est-ce qu'ils sont. C'est filou, hein. C'est filou. Les zones... évidemment, je pense que c'est plutôt par là. Ah bah on les voit là en fait. Il y a direct les ennemis. Ils sont dans le coin. C'est cool ça. On rappelle pas que c'était comme ça au départ. Tu fais toutes tes quêtes et tu atteins le niveau de pognon nécessaire pour acheter la majorité de la ville. C'est à peu près ça. Et après, t'es tranquille. Les petits steaks.
Attends. Chaîne bleue, je crois que je l'avais pas la chaîne bleue. Encyclopédie. Hop. Bingo. Éther. Très bien. Normalement, toi, je dois pouvoir. Hop, couteau de battu. Le couteau est battu. Et plutôt agilité. Dis pas de bêtises. Attendez. Auto-attaque, éther, agilité 23. Je sais plus si on sait ce que ça veut dire. Ouais, si, d'accord, mais c'est pas ça que je veux. Et les stats directes. Peu importe, c'est pas bien. Il y a même une course automatique, si ça c'est pas beau. Hop, let's go. Donc là, par derrière, elle a latéral. Bim. Hop. Évidemment, là, j'ai Shulk en personne principale, mais on peut prendre également un Fiona. Pas de problème. Et du coup, je peux déséquilibrer l'ennemi qui est face à moi. Et voilà, ça c'est fait. Je crois qu'on en avait d'autres. Si je dis pas de bêtises. Et je peux en choisir qu'une à la fois, par contre. Ok, c'est dans l'autre côté. Et... Hop. Ah, c'est assez beau. Ah, je vais les flinguer, puis après je vais m'arrêter là. On les voit là-bas avec leur petit point d'exclamation. Donc ça facilite quand même la chose. En vrai, je sais plus si ça existait sur le jeu de base. J'ai des doutes. Je sais plus. Ah, déséquilibre. Bien défoncé quand même. On se dit. Bref, faire attention. Que... Voilà. Il peut être plusieurs à venir. C'est la merde. C'est la merde. Et je suis mort. À deux, ça picote. Donc on peut très très vite se faire défoncer. Évanouissement, un retour au repère précédent, bien sûr. Mais je prends un petit level up. C'est pas dégueu. Là, il y a l'icône en haut. Alors, vous voyez pas avec ma cam, mais il y a une icône ici qui permet de voir qu'on est en course automatique. Plutôt pratique. C'est fait.
Belle crasseuse. On a eux aussi. Il est sur moi. Hop. Et je l'ai loupé. Je dis qu'il s'est déplacé. Salut. Carapace. Hop. Les quêtes sont faites. Les ouf. Hop. Je vais juste regarder s'il me reste. Là. Hop, non, il me restera deux items à récupérer. Ok. Et ben on va save. Il vaut tout, ok. Et voilà. Et on va s'arrêter là. Nice, de la violence. Et ouais, ça s'arrête pile au moment où voilà. Hop, il y avait un peu de baston et quick, on coupe net.